Bonjour, nous sommes au Centre national chinois de recherche et de développement sur le riz hybride basé à Changsha dans la province du Hunan. Cet institut a une dimension internationale, d'autant plus qu'il reçoit régulièrement des chercheurs des pays en développement. L'institut a énormément contribué à l'amélioration de la productivité du riz et à la lutte contre la famine à travers le monde. Découvrons ensemble ce centre en compagnie du professeur Yang, chercheur au sein de l'Institut. Hello, professeur Yang. Yeah. Bienvenue. Merci beaucoup. Yeah. Bienvenue dans notre salle d'exposition sur le riz hybride. Cette salle d'exposition a pour objectif de présenter l'histoire du développement du riz hybride. La première photo a pour sujet l'éradication de la famine, inscription de l'académicien Yuan Longping. Cette photo illustre les efforts et les contributions du riz hybride à la lutte contre la famine. Dans les années 50 et 60, nos rendements agricoles étaient très faibles. La Chine a dû faire face à un problème qui n'avait pas été résolu depuis des générations, à savoir la pénurie alimentaire. Depuis la fondation de la Chine nouvelle en 1949, le gouvernement a pris une série de mesures pour augmenter la production de céréales. Voici donc, à partir de cette photo, le parcours et la promotion de notre riz hybride à travers le monde. Depuis 1979, le riz hybride a été introduit aux États-Unis et a fait l'objet de démonstrations réussies dans plus de 60 pays pendant 10 ans et a été promu dans 10 pays, y compris le Bangladesh, le Pakistan, le Vietnam, les Philippines, le Cambodge, Madagascar, les États-Unis et le Brésil. En 2019, la superficie du riz hybride promu à l'étranger a atteint 8 millions d'hectares. Dans cette salle qui retrace l'histoire du Centre national chinois de recherche et de développement sur le riz hybride, M. Yang nous présente longuement le processus de mise en œuvre de la technologie. L'une des choses que nous développons actuellement est le super riz, ce qui signifie que nous visons à atteindre 18 tonnes par hectare. Et puis le riz tolérant à la salinité et l'autre est le riz hybride de troisième génération. Notre objectif est de promouvoir le riz hybride, tout d'abord pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire en Chine, mais aussi pour promouvoir le riz hybride dans d'autres pays, notamment en Afrique, afin qu'ils puissent bénéficier de cette technologie et résoudre leurs problèmes de sécurité alimentaire. Après l'étape de la salle, nous nous déportons dans la rizière d'expérimentation. Monsieur Yang nous informe que le père du riz hybride, Yuan Longping, s'y rendait chaque jour pour voir l'évolution des plants. C'est dire combien son dévouement pour la recherche sur le riz hybride suscitait l'admiration de son entourage. À Madagascar, le rendement du riz local est généralement de 2,5 tonnes à 3 tonnes par hectare, mais le rendement moyen de notre riz hybride est de 7 à 7,5 tonnes par hectare, et le rendement le plus élevé est de 12 tonnes par hectare. Et ce rendement maximal de 12 tonnes par hectare est également celui cultivé par des agriculteurs locaux, ce qui prouve que le chiffre est très crédible. En 2017, il y a eu une inondation à Madagascar, au point que toutes les variétés de riz locales se sont effondrées et la récolte a été perdue. Mais notre riz hybride avec ses tiges solides a résisté à l'inondation, de sorte que les agriculteurs qui ont vu le résultat ont beaucoup aimé le riz hybride. Le système racinaire de notre riz hybride étant bien développé, il peut s'enraciner profondément dans le sol, ce qui le rend plus résistant à la sécheresse que les variétés de riz locales. De nombreux agriculteurs malgaches se sont enrichis grâce au projet de riz hybride. Certains ont construit de nouvelles maisons, d'autres ont augmenté leurs revenus grâce au riz hybride, se sont mariés et ont acheté des appareils électriques. Le riz hybride a donné de l'espoir aux agriculteurs de Madagascar. De la rizière, M. Yang nous fait découvrir un autre compartiment du centre. Le bâtiment en face de nous abrite le centre de formation sur le riz hybride et un laboratoire expérimental intégré.
Des chercheurs de nombreux pays en développement viennent chaque année pour des sessions de formation et de recherche. Professeur Yang, et comment entendez-vous et assurer la continuité de la promotion de la technologie du riz hybride à travers le monde? Nous avons établi la branche africaine du Centre national de recherche et de développement sur le riz hybride à Madagascar, en Afrique, en 2019. Cette branche africaine mène des activités de recherche, de développement, de démonstration et de diffusion du riz hybride pour l'ensemble du marché africain. L'étape suivante consiste à développer une variété de riz hybride adaptée au marché africain. Deuxièmement, afin de réduire le coût du transport de nos semences, nous devons développer en Afrique des technologies adaptées à la production locale de semences, c'est-à-dire la localisation de la production, de manière à en réduire le coût. La troisième consiste à mettre au point un ensemble de techniques de culture du riz hybride à haut rendement, adaptées aux conditions pédologiques, écologiques et climatiques de l'Afrique. Notre objectif est d'étendre la superficie de riz hybride à 200 000 hectares à Madagascar dans les 2 ou 3 prochaines années, afin de pouvoir produire 600 000 tonnes de riz hybride, soit 400 000 tonnes de riz. Dans la même dynamique, nous pourrons également sortir 200 000 familles de la pauvreté, ce qui est notre prochain objectif. Notre visite au Centre national chinois de recherche et de développement sur le riz hybride a été très édifiante. Cet institut porte le symbole que la volonté, conjuguée à la science et à la technologie, peut servir utilement l'humanité.